c'est pas de la météo. Lui il pense que le wind dépend du temps qu'il fait. Avec ses mains, il se met à faire des petits signes. Quand je t'ai demandé d'où venaient ses moves, tu m'as répondu avec un sourire bien cru en coin. La seule raison que je trouve, c'est les signes de gang des battle rappers américains. Pour ça que j'ai. C'est exactement. Je sais qu'il faut pas faire ça. C'est pourtant simple comme consigne. T'es comme un rappeur naïf avec des contrats de maison 10. Tu comprends pas tes signes. Mais t'as pas juste pris la partie où ils rappent leur set. T'as aussi pris tout le reste. T'es celui qui copie plus les US. On n'est pas dupes. Le pacing, l'emphase sur la chute. Après la grosse attitude, tu reprends même la structure des doubles sens. Seule différence, tu utilises des références aux émissions québécoises de ton enfance. Servi copieusement comme une peste. Actually, maintenant je respecte le move de pas réclamer de prête pour un style que t'as déjà copié de toute pièce. Après, t'as exclamé que t'es le best, que c'est du génie qui t'amène du neuf bœuf. T'es la version québécoise cheap comme Esquad 9-9. SOV t'a dit que tu faisais pas de musique, t'étais comme j'en fais. Ouais, ton projet 30, c'est dit qu'on comprend rien. Je dis oh, mais y'a juste moi qui l'écoutais. Ton projet 30, je comprends rien. Là, au moins, tu utilises un style qui le tient. Il y a déjà un peu plus d'un an au premier refresh. Tu me parlais de sortir un EP qui est direct. Du moins, c'est ce que tu me disais. Le brun sombre de tes pupilles qui me fixaient. Les postillons de tes papilles que j'évitais. Mets ton projet. Comme pour le 500 bucks, on n'a jamais vu Vincent le drop. Envoie une maquette. Si c'est du feu pis que tu copies pas d'autres rappers, je te libère. Une place au verse au cypher cet hiver. Tant que ça t'aide à devenir un peu plus toi-même. Bref, voilà ma petite analyse. Oui, ça me détalise. Mais dog, t'as tellement bête, il fallait que je t'euthanasie. Get the fuck out of here.